الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Une annonce concernant un emplacement ou un real estate, c'est à travers un agent. Comme on call agent là, il demande numéro propriété, il dit à moi, al-Zwenli. Propriété là, dit à moi, pas nécessaire et passeport agent parce que il n'est pas fin signé aucun contrat, aucun papier et contrat avec eux. Si passeport agent, il peut besoin payer un mois location et moi aussi, moi pour besoin payer un total de 5 mois location, deposit agency free, fee, un mois rental fee, etc. pour agent. Et propriétaire diamant qui lui peut donner des avantages, passeport agent, et le fait qu'il ne pas signer papier, ne pas signer papier, nous capable pas faire contrat la direct. Est-ce qu'il est correct pour faire ça? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith « Al-Muslimun ala shurutihim » Un musulman, les respecter conditions qu'il fait faire. Si propriétaire là fait une condition avec agent là, je tiens à une condition même verbale. Parce qu'en islam, il n'y a pas seulement le papier qui compte, mais la parole. Parole sacrée en islam. Si propriétaire là fait un contrat verbal avec agent là, que à chaque fois il y a un client, il faut un pourcentage pour gagner l'eau, ça, la vente de ça qui fait là. Alors donc, il a besoin de respecter ça en islam. Surtout si vous cause concernant une propriété musulman et un agent musulman. Ou bien un agent non musulman. Alors donc, j'ai besoin de respecter cet engagement. Mais si il n'y a aucun engagement, si c'est agent là qui finit mettre ça à cette là, l'eau sur page, sans consentement propriétaire là, il n'y a aucun engagement. Alors donc, il n'y a aucun engagement entre propriété avec agent, il n'y a aucun pourcentage à gagner. Et ce qui est important pour vous, c'est qu'il n'est pas concerné directement. Ça, c'est un problème entre propriétaire et agent. Ou il n'y a rien à faire là-dedans, ou il n'y a pas de rien, veut dire agency fee, du moment qu'il n'y a aucun contrat entre eux. S'il y a un contrat entre eux aussi, alors donc ça, c'est entre propriétaire et agent. Ou il n'y a rien à faire là-dedans, ou deal avec propriétaire. Propriétaire là, il prend sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Propriétaire là, il prend sa responsabilité. Mais si il prouve, il a un contrat, qui agent là, il a un contrat avec propriétaire là pour lui gagner un pourcentage là-dedans, propriétaire là, papier de lit. Alors, dans le contrat là, il stipule que, par exemple, un mois, salaire, un mois location là, il est besoin pour agent là. Alors donc, dans ce cas, ça a besoin de référer à l'autorité pour veut dire rupture de contrat ou bien quelque chose pareil. Ou en tant que client, on n'a rien à faire dans sa problème entre propriétaire et agent. Question suivante. Une très longue question concernant une jeune fille qui va marier, qui met hijab, jilbab. Et le problème, c'est que si elle est mariée et je habite dans l'autre la case, et cela fait une pregnant. Et là, maman là, l'IPDS, cela avec son monsieur, vin habite chez VDS et maman là. Le problème avec la fille dit comme ça, si pour venir pendant 6 mois, les besoins sociaux pour rescoter lui, ainsi qu'il se beau-frère. Et les besoins embarrassés parce que les besoins mettent djilbab, en la journée, 24-7, les besoins restent dans djilbab. Soit les besoins restent. Dans la chambre, il ne peut pas sortir. Alors donc, et il peut demander, mais qui l'islam dit alors là? Et donc, tout d'abord, ça c'est parfois arrivé, ben parents, je ne peux pas faire justice. Peut-être je suis trop content que ce petit fils ait des enfants, et donc je veux dire, ce sentiment maternel. Puis manifester, venir pour guider toi, pour cuire ton manger, pour occuper ton domicile, etc. Mais quand il peut faire ça, il peut oublier qu'il y a une fille dans la case, qu'il y a un droit pour vivre dans la case-là en toute liberté. Parce que si l'islam impose le djilbab en dehors, il n'est pas supposé, veut dire, punir d'une façon de parler, renflouer 24-7 dans la case. Quand là, il y a un droit de mettre un linge léger, surtout quand il fait chaud, etc. Alors donc, solution qui est besoin, c'est que besoin de causer avec maman là. Besoin de causer avec maman là, pour faire maman là comprendre que ça qui l'IPF est là, l'IPF est une injustice vis-à-vis la fille. Alors donc, ça c'est une solution, un problème, c'est qu'il n'est pas pour une solution tant qu'il n'est pas causé.
Inutilement, par le jour, est-ce qu'il m'a mal en tout, m'a mal à l'épantoli. Parce que les papes font ça, normalement, les papes font ça pour mauvais. Les papes font ça pour bon, même, mais c'est mal, ils peuvent oublier que les papes causent du tout. Alors donc, cette solution, c'est besoin assiser, faire un imam cause avec lui, ou bien cause avec le papa, faire au papa cause avec lui, ou bien cause avec le soeur, ou faire au soeur comprendre qui ont ces difficultés, les libres ou pour gagner. Alors donc, faites tout raisonner. Soit que si je ne peux pas comprendre, ou faire l'imam causer. Mais sinon, qui m'a capable de dire, ou prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala, les pouvez doux, fais doigt avec Allah, lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais aux 5 fois salat. Si vous êtes capable de lever tahajjud, lever, fais doigt, lève la main avec Allah, parce que l'impossible, lever impossible, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Alors donc, demande à Allah, place confiance dans Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire facile. Question suivante. Salam alaikum, une famille musulmane, il nous fait à moi un cadeau le 26 décembre. Si il nous fait à moi la cause de Noël, est-ce que mon droit servir ce cadeau-là? Ou pour connaître où est-ce que ce cadeau-là a une relation avec Noël? Ou pour connaître où? Par exemple, ou nos frères ou nos soeurs, pardon, ou nos frères ou nos frères ou nos soeurs qui une sortie d'eau, une passe vacances à Maurice, par exemple, la France, l'Angleterre, la Réunion. Et dans ce moment-là, elle finit une passe vacances, c'est pas fini une fête à la Noël, mais les gars congé. Dans ce moment-là, elle finit une passe vacances, en même temps, elle finit faire une visite coto, par exemple, le 26, le 25, le 23, pas à cause de la Noël, parce que c'est ça, ben, le moment-là, qu'il y a Maurice, et il finit amener un cadeau pour. Et là, il est très évident que ce cadeau-là n'a rien à faire avec la Noël. Alors donc, il n'y a aucun problème qui vous prend sa cadeau. Monsieur Njimon, et spécifiquement, il peut donner un cadeau de Noël. Il peut dire joyeux Noël ou bien bonne année, etc. Il peut donner ce cadeau-là. Si un musulman, ça, normalement, au besoin, refuser. Parce que ne pas faire ça. Ça fait là, il est anti-islamique. Un fait païen, ça. Il n'est pas même un fait chrétien, ça. Un fait qui base dans l'idolâtrie. Alors, nos besoins refusent, ben cadeau qui est gagné dans sa ban l'intervalle. Et ça, c'est une petite chose qui est très claire. Parce que nous pas capables de célébrer l'idolâtrie. Nous pas capables de donner cadeau pour célébrer l'idolâtrie. Même que Dieu dit non, je ne pas croire là-dedans, moi. Ceci veut dire une pratique. Je ne pas capable, veut dire la source de sa pratique-là, elle est déjà haram. Mais dans ce cas, côté là, ou capable de prendre cadeau là, si il y a une conséquence, il y a une conséquence, par exemple, ou patron finit de nous un cadeau. Si vous pouvez faire ça, si vous pouvez faire ce cadeau-là, vous mettez des hauts. Et là, vous avez un choix. Ça veut dire là, ou dans une situation, quand là, on dit au contrôle. Et il l'a man ukriha, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est lui qui peut forcer pour faire quelque chose, alors qu'au fond de lui, il y a un iman d'Allah, il n'est pas d'accord avec ça. Alors donc, si dans ce cas, ou prend lui, ou bien ou parents fin de nous ça, si je dis aussi, je ne prends pas ça, bien arrête de venir je vais couper relation avec vous. Dans ce cas, parce que là, on peine à choix. Si une ben, situation pareille, on prend cadeau là. Sinon, on pas supposé prendre un ben, cadeau qui base l'idolâtrie. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame qui se méfie inégale capable de rester ce soeur et beau-frère pour accomplir son idée? À cause des âgés, il n'est pas capable de rester seul dans la case. Ou bien les bisins préférables pour Rodin Djiboun pour rester avec lui dans la case ou au lieu de vivre risque de ce soir. Vous êtes capable d'expliquer ça en gros, comment supposer faire une date dans la meilleure façon. Une date pour un Djiboun qui fait mot, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ Ben qui, ben madame qui se bichait finement, alors vous êtes riche, veut dire, contenu dans Iddat 4 mois et 10 jours. Ça, c'est Iddat pour ben qui vous êtes bichait finement. Et pendant cette Iddat-là, vous n'êtes pas supposé habiller, veut dire, avec bijoux, vous n'êtes pas supposé mettre ben l'habillement de sortie, vous êtes habillé simplement, simple, comme l'habillement à la maison. Et donc, pas mettre de maquillage, pas mettre de bijoux, etc. Et concernant sortie, vous avez le droit de sortie pour bonne raison. Valable. Par exemple, les travails. Ou pas capable d'être absent. Ça veut dire, plus qu'il besoin, vous êtes capable de nous une semaine congé, 2 semaines congé, mais ou pas capable d'être absent 4 mois, 10 jours. Là, on peut besoin de travail. Mais seulement quand on va le travail aussi, on a besoin d'aller au plus vite et retourner au plus vite. Ou pas sortir de haut, à le promener.
ou bien on peut aller contre médecin, ou bien le médecin, ou bien on peut aller faire achat, puis la personne peut aller faire ou achat. Dans ce cas-là, on a un droit, une madame qui doit une date, il a un droit sorti, si les pays alternatifs, si la personne peut aller faire son achat, si la personne peut aller faire son démarche, oui, il peut sortir dans ce cas. Mais par rapport à sa madame qui se monsieur Finmo, qui n'est pas capable de rester la case, si possible, faire un demande une reste avec lui, tant mieux. Ça, les meilleurs, ils restent dans la maison, ils observent sur une date, si possible. Ça, c'est l'idéal. Mais si ce n'est pas possible, alors il est capable, dans sa circonstance-là, si pour une raison de sécurité, il n'est pas capable de rester dans la case, par exemple, sur la case isolée quelque part, alors il y a un risque, parfois il y a un volet, parfois il y a un pire. Alors, dans ce cas, oui, il est capable d'une risque contre sa soeur, son beau-frère, mais toujours les besoins respectés par les paramètres islam qui finit qui sont suivants. Est-ce que les permissibles pour toucher Kaaba si il n'a pas fait l'aura? Est-ce que ça les invalide ihram? Normalement, directement, nous n'avons aucune preuve qui gagne droit à mettre pas fin l'eau Hajar Aswad. Mais nous avons un hadith qui est général, qui est global. Un hadith qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui montrait que les font partie d'un sunnah pour parfum masjid. Alors masjid, il y a une petite chose qui est globale. Masjid, mirai masjid, colonne masjid, veut dire toutes les choses qu'il y a dans masjid. Alors donc, basant l'aura, ça veut dire quand nous pouvons parfum, quand on peut parfum Hajar Aswad, ils font partie dans ça, veut dire dans sa sunnah globale, veut dire parfum masjid al-haram. Alors donc ça, dans ce cas, les pays n'ont aucun mal pour parfum Hajar Aswad. Mais pour ban qui peut faire Umrah, et normalement, pas fin. Si par exemple, un djibouti qui peut faire Umrah, il n'a touche Hajar Aswad et il n'a senti pas fin de Solami. Ou bien Solaise, il n'a senti pas fin. Senti pas fin, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème, il n'est pas affecté, Haram, il n'est pas affecté, non. Mais si quand il peut toucher Hajar Aswad, et pas fin la fin de Solami, qui ça est très rare, parce que ça quantité de djibouti qui vient là. Parce qu'il est déjà fini sec, l'eau, ça, Hajar Aswad. Mais s'il est arrivé, quand il finit tout seul, il trouve de l'huile, veut dire ça pour faire l'eau sur la main, ou bien le solange, obligatoirement, il est sorti, elle lave solange, sa bout là, et elle lave sur la main. Peine aucun dame, peine non, parce que ça, il est involontaire. Tout bonne action qui est invalide, ihram. Mais si au cas qu'il est involontaire, peine à la loi qui est appliquée. Ça veut dire, dans ce cas, elle lave sur la main. Si ce linge finit comme ça, il a une tache couleur marron, couleur noire, etc. de sa parfum là, il lave sa partie là, et Inch'Allah, ce ihram peine aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, ma jeune maman qui a deux enfants depuis janvier, mon monsieur, il donne moi talak, et nous finissons séparés, et mon fin risque de mot, maman, dernière fois, il finit seulement en mai, nous tiguons une relation. Là, il est réallé. Le 25 décembre, il finit de moi un cadeau. Elle finit de lui donner aux enfants un cadeau dans ce moment. Là, mon dieu, qui dit pas, si tu ne peux pas vivre avec moi, ben, donne-moi mon trois talas. Là, l'indien est sur la bouche devant mon maman et mon kala, qui m'a payé de toi ton trois talas. Mon envie connaît, est-ce qu'il m'a libre pour marier un autre du monde, Aster qui peut accepter avec moi et avec mes enfants, parce que papa n'a pas payé aucune dépense pour les enfants. Basant leur question, ou tu déjà pas dans Nikah. Quand un monsieur finit de talak, par exemple, un monsieur finit de nous talak en janvier. Janvier, février, mars, avril, mai. Février, mars, avril, mai, 4 mois fin passé. Qui veut dire, depuis janvier, depuis on gagne talak, jusqu'à mai, est-ce que finit a 3 menstruations? Si on finit gagne 3 fois au période, qui veut dire, on Nikah et il n'est pas réconcilié avec vous. Si pendant janvier, jusqu'à mai, quand il finit de nous, ou talak en janvier, jusqu'à mai, il n'est pas fini réconcilié, ni par téléphone, ni par un contact physique, il n'est pas réconcilié avec vous. Et pendant ces 4 mois-là, au fin de 3 périodes, on n'y a déjà fini cassé. S'il dit comment mon pédier là, pas fini une réconciliation, ni verbale, ni physique, et au fin de 3 périodes, qui veut dire en mai, quand au fin de relation, au fin de faire zina. Parce que aussi on dit au Nikah, il y a déjà un gros problème. Et ça là qui fin de donner en décembre, il est déjà invalide. Parce que déjà on dit au Sonika. Mais si en janvier, il finit de nous talak,
Et jusqu'à mi, il cause à le téléphone, il dit au réconcilier, oublier ça qui est arrivé, ça c'est réconciliation. Là, dans ce cas, là, en mi, ça qui est rapport sexuel qui au fin gagné là, il est déjà utilisé sur madame, il n'y a aucun problème. Ça, décembre là, elle est fin de nous, trois talacs. Là, la question de trois talacs, est-ce qu'il compte un, il compte trois, il dépend qui ou suivent. Si on n'y a fait pas un monde qui étudie l'arabie, alors là, il compte un. Si ou talak, si ou nikaf, il fait pas un table d'examat ou bien un sunna d'examat, là, il compte trois, d'après ce. Pour qu'il ne pas créer confusion, ne pas créer man si mes sorties. Alors donc, ou besoin al-get celui qui finit faire un nikaf, pour ce mufti, par exemple, si imam là, il n'est pas capable, il n'a pas la capacité pour cause l'eau là, là, mufti là pour dire où est-ce que nikaf l'a compté ou bien pas compté. Question suivante. Salam alaikum, dans Al-Bidaya wa Nihaya, nous finissons apprendre qu'Idriss alayhi salam, le quatrième des ciels, après ange de la mort, fin de Tchessorouh. Mais avant ça, longtemps, nous finissons apprendre qu'Idriss alayhi salam, parti intégral, mais plutôt, il finit rentrer dans le paradis comme ça même, sans qu'il se roule, fin de sortie. Mais nous avons envie qu'on ait une explication là, de la part de nos frères Ridwan Soupan. Normalement, oui, Idriss alayhi salam fin mot, parce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout créature vivant besoin goûte la mort. Et seule créature qui pense au mort et l'écoute Allah, c'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam n'est pas besoin de retourner pour les mots au dunya. Alors donc, Idriss alayhi salam fin mot. Par rapport à sa histoire qui vous peut dire là, en fait, cette histoire-là que Malak al-Maut amène Idriss alayhi salam visite paradis et l'enfer. Et fin fiali, veut dire fin fiali sur roue pour être capable de visiter le paradis et l'enfer. Et quand fin amené dans le paradis, les fin refusent pour sortir pour les retourner dans la terre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fin dit à Malak al-Maut, laisse-les dans le paradis même. Et ça, il y a une fausseté, ça, il y a un mensonge, puis il n'y a aucun hadith authentique, l'eau, ça, quitte chose là. Pour cela, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.